minutes au micro de Grégory Benjamin Compaoré qui finit donc son concours de triple saut à la deuxième place. Numéro 2, le champion des États-Unis. La voici, la grande finale du 60 mètres. 63-7 tout à l'heure. Avec Josh Soare, le Britannique. Et le tout petit, le minuscule, c'est sans lui manquer de respect, il fait 1m63, D'Angelo Cherry. C'est tout petit pour un athlète. Ah bah, il a le gabarit d'un coureur de 60 mètres en salle. Après 60 mètres, je pense que c'est plus difficile pour lui. Et voici Christophe Lemaître au couloir 3, le grand Christophe Lemaître. Parce qu'on parle de Cherry, un coureur comme Mike Rogers, c'est tout petit, il fait 1m70. À côté, c'est un géant à côté des 1m63 de Cherry. Le couloir 4. Attention à Gittens, l'homme de la Barbade, qui vaut 10,02 sur 100 mètres et qui a couru 6,60. C'était lui le meilleur chrono des séries. Il y aura le centrafricain Béranger Bos au 5. Et enfin, Peter Emeliezé à l'extérieur. On va suivre, bien sûr, ce que fait Christophe Lemaître. Mais attention à Chewy sur sa gauche, à lui, et à Gittens sur sa droite. Ce sera le trio à suivre. Gittens au 4, Lemaître au 3 et Chewy au 2. Et voici Momo Hassani qui vous les montre, les trois favoris de cette course, autour de Christophe Lemaître. Allez, c'est parti pour cette finale. Lemaître est derrière comme prévu, mais il va faire son effort. Gittens a l'air très fort et c'est Gittens qui va s'imposer le même temps qu'en série 6-60, juste devant Christophe Lemaître. Belle course, remportée donc par Ramon Gittens. Il va chercher des centièmes en faisant un beau cassé devant Christophe. Et il aura couru 2 fois 6-60 donc aujourd'hui Ramon Gittens, qui avait atteint la demi-finale des mondiaux à Pékin sur 100 mètres. C'est quelqu'un qui commence à pointer le bout de son nez sur la scène internationale au plus haut niveau. Et avec sa puissance, il est très intéressant sur 60 mètres. On revoit cette course, Muriel. Christophe qui ne fait pas un mauvais départ. Et 6-60, c'est son nouveau record de Barbade. Bravo Ramon. Hey, ça tombe bien, j'ai à côté de moi. Et il fait 6,63, Christophe Lemaître. Bah, les deux hommes, d'ailleurs, font le même temps qu'en série. Vous pouvez l'applaudir très fort. Dis donc, Pascal. C'est vrai que le cassé est bon chez Gittens. Superbe rentrée. Lui qui aura battu puis égalé son record personnel, qui est également le record de la Barbade sur 60, 6,60 m. Et autant dire que j'avais vraiment envie, une grande envie de courir. On est content de le voir dans de bonnes dispositions, Christophe Lemaître. Et quel compétiteur, tout de suite.